Frères et sœurs, amis invités, bonjour. Ohere, Yorana. Yorana. Je suis en train de regarder d'en haut d'ici. En vue du retour du Christ. Et en vue de ce que l'ennemi est en train de faire même au sein du christianisme. Comme on a vu hier, il y a des doctrines de démons qui se trouvent au sein du christianisme. Et il y a les gens qui sont vraiment sincères, qui cherchent Dieu. Malheureusement, ils ont été trompés par beaucoup des doctrines qui ne sont pas de la Bible. J'ai un souci ce matin. La raison que je prêche de tout mon cœur, de tout mon âme. Quelquefois, je ne dors pas. Demande à mon épouse. Je suis soit dans la prière, soit dans la parole. À 5 heures, je suis à l'église du matin. Parce que j'ai un souci. Dieu veut sauver des gens. Et je suis responsable de faire tout pour le salut des gens. Ce qui me blesse le plus, c'est lorsque je vois ces quantités de personnes sincères. Mais qui sont trompées par des fausses doctrines. Mon cœur est blessé. Car l'ennemi est en train d'accélérer son œuvre dans les cœurs des habitants de ce monde. Mais très beaucoup, nous sommes vraiment à l'aise et nous sommes trop confortables. Mes frères et mes sœurs, un disciple a le fardeau de sauver les gens. Si vous n'êtes pas concerné pour le salut des âmes, votre présence chaque sabbat c'est en vain. Car lorsque le Christ vient dans notre vie, on va avoir ce fardeau lourd de communiquer l'évangile aux autres, d'avertir aux gens ce qui va se passer bientôt dans notre monde. Et l'Apocalypse nous enseigne des choses terribles qui vont se passer au sein du christianisme. L'Église est responsable d'avertir aux gens de ce qui va se passer, d'inviter aux gens de venir entendre la parole de Dieu. Cette semaine qui démarre demain, on va changer la vitesse. J'ai traité beaucoup sur le Christ et le plan du salut. Demain, on va voir le plan du salut dans la dimension totale. Je vais traiter des sujets que beaucoup des églises de chrétiennes ne traitent pas. Le livre de l'Apocalypse est fermé dans toutes ces églises chrétiennes aujourd'hui, la plupart. Et pourtant, le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous a été donné par Dieu afin de se préparer pour le ciel. Satan a fermé ce livre dans toutes ces églises. Et les gens vivent, les chrétiens vivent dans l'ignorance ce matin. Les chrétiens sont trop à l'aise. Les chrétiens sont en train de servir Dieu avec un cœur divisé. Dans le péché. Et il y a ceux dans l'église adventiste aussi, nous sommes de la même façon. Et nous allons perdre le ciel si on continue ainsi.
Mais cette semaine, ce sont les messages que tout le monde sur Tahiti devrait entendre. Je suis en train de penser un petit peu ce matin que si chaque personne, même ceux qui sont à l'arrière, nous prenons la responsabilité de prier, de se lutter afin que nous amenons une personne chacun d'entre nous. J'en suis sûr que l'endroit va être débordé et que Dieu va parler dans une façon qu'il n'a jamais parlé à votre peuple. Je vous dis, demain après-midi, demain soir, je vais traiter un sujet qu'on n'entend pas dans les églises. Lundi soir, c'est la même chose. Mardi soir, je vous parle de mon cœur et je prie que le Saint-Esprit vous convainque que le temps est court, que Jésus est à la porte, que plus que jamais nous devrons dire aux gens de venir recevoir le pain de vie. Ne pense pas qu'on aura encore des temps et des temps. Et vous allez voir ça pendant cette semaine. Au nom de Jésus, j'exhorte tous les gens qui sont là. Adventistes, Pentecôtistes, Baptistes, catholiques, va dans vos églises, invitez les gens à venir, va dire à vos prêtres de venir, vos pasteurs de venir, vos médecins de venir, afin qu'ils vont entendre ce message, non pas de la part de Jean-Noël, non pas de la part de l'église adventiste, mais de la part de Dieu lui-même, car c'est Dieu qui parle ici. Oh, que le Saint-Esprit vous convainque l'importance d'inviter des gens au souper de la parole de Dieu, afin que demain cette salle doit être remplie. Je crois fermement que vraiment nous avons les chaises qu'on peut mettre partout ici. Il y a des chaises qui sont vides. J'exhorte même les membres de l'église adventiste d'être là demain. Lâchez votre télé, lâchez vos ordinateurs et viens ici. Il y a ceux qui ne peuvent pas venir. Prenez votre ordinateur et cherchez à suivre ce qui se passe. Peut-être vous êtes loin. Je suis touché de voir des gens qui viennent de Papeete tous les soirs. Ils sont en train d'amener 9, 10 invités avec eux. Que Dieu soit loué. Qu'on puisse donner tout pendant ces deux semaines qui nous restent. Il y a ceux qui ont raté une semaine déjà parce que vous étiez trop occupé dans votre travail, occupé dans les sports. Oh, nous devrons nous préparer pour le ciel. On ne sait pas combien de temps qui nous reste. L'ennemi va commencer à faire des choses qu'on n'a jamais vues. D'ailleurs, il a déjà commencé à faire des tromperies qui se passent au sein des églises. Des gens extraordinaires qui sont trompés par ces choses. Donc, j'invite l'église cet après-midi d'inviter encore, d'aller voir ces 9 personnes que vous avez contactées. Et s'ils ont refusé, comme la Bible nous dit, va chercher les autres, les boiteux, les malheureux, au bord du chemin, les drogueurs, les prostituées, cherchez tout le monde, afin que la maison de Dieu soit remplie demain, afin que cette semaine ces chrétiens extraordinaires puissent entendre ces messages que l'ennemi a cachés pendant plusieurs années. Mes chers invités, je vous assure,
vous allez pleurer, vous allez remercier le ciel pour cette semaine lorsque vous allez entendre des messages. Les messages qui vont vous libérer. Je sais que vous serez là. Mais vos voisins devraient être là. Les membres de votre église devraient être là. N'aie pas peur d'aller les inviter. Il y a ceux qui vont agir différemment, en colère peut-être. Mais ça c'est normal parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe ici. Soyez remplis d'amour avec vos bien-aimés. Ce sont des gens extraordinaires. Mais il y a ceux qui ne savent pas toute la vérité. Et il faut comprendre cela. Il y aura une guerre. Mais invite les malgré tout. L'ennemi va essayer de mettre des bâtons dans la roue demain soir afin de vous empêcher à venir. Ne l'écoute pas. Dieu a déjà ouvert une porte pour vous que vous soyez là demain soir. Donc venez en nombre. S'il y a les invités ici, un pasteur de notre église qui écoute à la télé, qui écoute à l'internet, à travers l'internet, viens avec votre peuple demain. Ne vous inquiétez pas de ce qui va se passer. Car je vous promets, je prêche que la parole de Dieu et je vais être fidèle jusqu'à la fin. Est-ce que l'Assemblée peut dire Amen? Je lance ce défi à chaque personne. Et je remercie de ceux qui ont déjà essayé votre mieux. Je ne connais pas ce que vous faites. Mais un Dieu qui voit tout ce que vous êtes en train de faire. Et vous avez une récompense énorme qui vous attend. Cherche encore plus. Les invités, va chercher les gens. Car les gens ont besoin de Dieu plus que jamais. Besoin de connaître les prophéties bibliques plus que jamais. Dernier appel. Au nom de Jésus, s'il y a ceux qui ont planifié d'être sur les îles, dans un autre pays, de la part de Dieu, je vous lance ce défi. Changez votre schedule par la grâce de Dieu. Priez sincèrement. Car vous avez besoin d'entendre ces messages. Peut-être vos rendez-vous que vous avez, ce n'est pas un rapport de Dieu. Mais c'est un rapport de ce monde avec les plaisirs de ce monde. Peut-être que vous allez faire n'a rien à faire à attirer les gens vers Dieu. Mais c'est de faire votre propre affaire. Ou bien d'attirer les gens vers le mal. Repentez-vous. Changez votre vie. Soyez un instrument de Dieu. Attire les gens vers Dieu. Vers sa parole. Non pas vers vous. Non pas vers vos talents. Non pas vers ce monde qui arrive à sa fin. Car Dieu vous appellera en jugement. Qu'est-ce que vous avez fait avec les dons, les talents et tout ce que je vous avais donné? Au nom de Jésus, je prie que pendant cette semaine, il y aura des repentances dans cette salle. Il y aura des larmes parmi le peuple de Dieu, parmi nos invités, que nous puissions confesser nos péchés, que nous avons vécu une vie double. On a essayé d'avoir les deux, le monde et le ciel. Que Dieu nous amène à la repentance. Car Jésus revient bientôt. Nous allons passer un moment maintenant agréable dans la parole de Dieu au sujet du mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Est-ce que tous les couples sont assis ensemble? Les enfants sont assis ensemble? Soyez tous ensemble les couples. Serrez votre épouse dans les bras. Serrez vos enfants.
S'il y a une tension entre la famille, je vous demande par la foi de serrer votre épouse. D'accord? Un jeune pasteur faisait sa première cérémonie de mariage. Il chercha des conseils à un vieux pasteur qui est arrivé à sa retraite. Il dit, pasteur, je vais bénir mon premier mariage. Donne-moi des conseils que j'ai besoin. Le pasteur a donné tous ses bons conseils. Et à la fin, il donne un meilleur conseil. Il dit, s'il arrive que tu oublies ce que tu devrais dire, juste cite un verset biblique. Tu iras bien si tu fais cela. Vous savez, quelquefois on oublie. On oublie quelquefois lorsque je prêche, j'oublie ce que je devrais dire. Donc, cite un verset biblique. L'histoire nous dit que c'est ça ce que le pasteur a fait. Le jeune pasteur a fait tout bien pendant la cérémonie de mariage. Juste le moment où il devrait bénir le mariage, le couple. Il a oublié ce qu'il devrait dire. Il se rappelait du conseil du vieux. Donc il va citer un verset. Et voilà le verset qu'il va citer par accident. Il disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a cité le mauvais verse. Aïe. Malheureusement, mes bien-aimés, ces paroles impromptues sont trop souvent vraies. Beaucoup de couples se marient sans savoir ce qu'ils font. Et par conséquent, de nombreux foyers souffrent aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont déprimées à cause de leur mari. Et beaucoup de maris sont stressés quand ils pensent à l'attitude de leur épouse. Beaucoup d'enfants fuient de leur foyer car il y a trop de disputes, des conflits à la maison, trop beaucoup de combats. Il apparaît que parmi plusieurs foyers, c'est devenu une malédiction au lieu d'une bénédiction. C'est pour cela que beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de se marier. Car les jeunes filles voient ce que leurs mères sont devenues de leur père et elles ne veulent pas se marier. C'est pour cela aujourd'hui le mariage a une connotation négative. Pourquoi? D'ailleurs, quelqu'un a dit dans la première année de mariage, l'homme parle, la femme écoute. Dans la deuxième année du mariage, la femme parle, l'homme écoute. Dans la troisième année, tous les deux parlent et les voisins écoutent. Aujourd'hui, je voudrais parler sur le foyer et la famille, car la santé de la société est directement liée à la santé des familles qui forment la société. La situation de toutes différentes foyers et la famille va déterminer soit le progrès ou la dégradation d'une société. Je vous pose la question ce soir, ce matin. Quel est l'état de nos différents foyers ici à Tahiti? Ici à Mataya. Oh, le titre du sermon ce matin, c'est le jardin impérial.
Le sous-titre, les secrets du mariage en Éden. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste, que ton Esprit Saint repose sur nous. Là que ta parole est prêchée, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, mon cerveau, que tu parles à travers moi, ce pauvre pécheur, que tu m'équipes à travers la puissance de ton Esprit Saint, afin que tes enfants t'entendent ce matin, afin qu'à travers la puissance de ta parole, nos foyers seront restaurés, les cœurs de nos enfants seront restauré, et que les cœurs des parents et des époux et d'épouses puissent expérimenter à nouveau Jésus dans leur vie. Fais ce miracle au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, amis invités, il est clair que lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons beaucoup de nos foyers et nos familles en mauvais état, en mauvaise santé, surtout lorsque nous considérons les nombreux types de problèmes qui existent dans les foyers de nos jours, lorsque nous considérons les violences domestiques occasionnées par l'alcool, par la drogue. Beaucoup des mamans et des femmes souffrent à la maison. Deuxièmement, nous voyons ces quantités de cas de divorce. Pratiquement 50% de chaque mari- des mariages terminent par un divorce. Il y a des états en Amérique où dans chaque 3 mariages il y a 2 divorces. Cela nous montre que nos foyers sont fondamentalement malheureux. En effet, un psychiatre a récemment dit que 90% de nos foyers sont malheureux. Peut-être il a poussé un peu, il a poussé un peu trop peut-être. Mais quand même, ça nous donne l'idée que nos foyers souffrent aujourd'hui. Troisièmement, lorsque nous considérons ces quantités des enfants qui sont maltraités à la maison, les abus sexuels, les cas de viol qui existent dans nos foyers, même dans les foyers des chrétiens, l'inceste, les forces d'attouchement. Oh, les statistiques montrent que le nombre de cas de maltraitance d'enfants est à la hausse tous les 10 ans. Et bien sûr, il y a aussi le problème de la rébellion. Les enfants qui se rebellent, c'est également incroyable de voir aujourd'hui la relation qui existe entre les parents et leurs enfants. Cela n'était pas le cas 20-30 ans de cela. Je me rappelle avant, lorsque mon père me regardait dans les yeux, après ce que j'avais mal agi, c'était comme si un gifle dans mon visage, son regard seul. Mais aujourd'hui, c'est nos enfants qui nous regardent. C'est comme un coup de poing. Et aujourd'hui, il y a même les enfants qui tuent leurs parents. Oh, le niveau de la rébellion qui existe dans le cœur de nos enfants vis-à-vis de leurs parents, c'est très alarmant. Et nous avons déjà vu, c'est un signe des temps.
Oh, chers amis, donc, il est triste de voir combien nos familles sont déchirées de gauche et à droite. Combien de nos foyers sont divisés tous les jours? Et la question qu'on se pose ce matin, c'est ceci. Pourquoi un tel chaos? Quel est le problème avec nos foyers? Car la Bible nous dit que c'était Dieu qui avait institué le mariage. En effet, le mariage est la première des plus belles institutions que Dieu a établi pour le bien-être de l'homme. Pour le bien-être de la femme, pour le bien-être de nos enfants et de la société en général. Dieu a institué le mariage pour le bonheur humain. Et regardons comment Dieu va instituer le mariage. Genèse, chapitre 2, le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et regarde ce qui se passe maintenant. Et Dieu l'amena vers l'homme. Qu'est-ce qui se passe au jour du mariage ici dans notre monde présent? L'homme est dans l'église. Il attend l'épouse. Et qui l'amène vers l'époux? C'est le papa normalement. Et c'est ça ce qui se passe ici. Donc nous voyons ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'origine de la parole de Dieu. Dieu, le Père, amena Ève à Adam. Et le verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Quelqu'un appelle cela le premier chant d'amour que Adam chanta lorsqu'il voya son Ève. Et c'est probablement vrai. Parce que dans la langue originale, vous savez, c'était écrit en hébreu, ça. C'était pas en français, la Bible. Dans la langue originale, on voit des excitations ici lorsque Adam va dire ces mots-là. C'était un moment joyeux pour Adam d'épouser Ève. D'ailleurs, l'image que Adam donne à travers ces mots, c'est un peu comme ici. J'ai enfin trouvé celle qui peut me compléter. Qui ne me laisserait jamais seul, qui sera chair de ma chair. Elle est tellement belle, elle est parfaitement faite pour moi, elle est tout ce que j'aurais voulu avoir. Oh mes chers bien-aimés, Adam était si heureux de se marier. Ainsi devrions-nous aussi. Car c'était ça l'intention de Dieu. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avant le mariage, remarquons bien, c'est la fête. Vous voyez, l'homme, avant le mariage, il apporte tous ses fleurs pour la femme. Ah, ma chérie, tu es belle comme cette fleur. Vous savez comment nous sommes les hommes. Hein? Si l'homme doit aller voler la fleur pour apporter pour la femme, il va le faire. Mais après le mariage, il n'y a plus de fleurs. C'est avant le mariage, mes bien-aimés, on entend le mot « je t'aime ». Je t'aime à la folie. Et l'homme essaie de composer des chants. Après le mariage, il n'y a plus « je t'aime ». Il n'y a plus ces mots doux. Hein? Avant le mariage,
lorsque vous marchez ensemble, il y a de puits de l'eau comme vous voyez là-dehors. Vous rappelez qu'est-ce que vous faisiez? Vous dites, non chérie, ne penche pas dans l'eau. Laisse-moi t'amener dans mes bras. Mais voilà l'homme qui porte la femme. Même si la femme est un petit peu. Oh, il est fort là. Et là, c'est lui qui est l'homme. Ah, oui. Mais après le mariage, le mari est devant. Et la femme est derrière là-bas. Et la femme dit, mais chérie, tu m'as oublié. Et le mari regarde derrière. Il dit, mais pourquoi Dieu t'a donné ces deux pattes? Vous riez, mais c'est votre histoire. Le mari crie, dit, mais tu es un peu trop. Et pourtant, avant, c'était comme ça. Donc, mes frères et mes sœurs, vous êtes d'accord avec moi, hein? Qu'aujourd'hui, on a un problème. Car Dieu avait créé le mariage afin que l'amour s'augmente. Non pas diminue. Dieu a créé les femmes pour qu'elles puissent recevoir l'amour et l'affection de leur mari. Est-ce que les femmes peuvent dire Amen? N'aie pas peur de votre mari, dis Amen. Amen. Dieu vous a créé afin que vous puissiez recevoir l'amour de votre mari. Regarde les visages des hommes maintenant. Et que les maris ont été créés pour recevoir le respect et l'amour de leur épouse. Est-ce que les maris peuvent dire Amen? Ah, il dit fort, ils n'ont pas peur des femmes. Hein? Mais c'était ça le plan de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ah, les femmes n'aiment pas ce mot soumise. Hein? C'est fini ça. Ça pour le siècle de l'Ancien Testament, on dit. Hein? Hein? Mais c'était ça. Soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef de sa femme. Aïe, 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 c'est un autre problème encore. Chef de la femme. D'ailleurs, ma belle-mère me disait, moi, ce n'est pas un problème que mon mari est le chef de la femme. Ce n'est pas un problème que le mari est la tête, il me dit. Mais moi, je suis le cou quand même. On va là et à la poêle. Vous savez pourquoi? C'est le cou qui fait tourner la tête. Hein? Aïe, aïe, aïe. Je vais profiter, ma chérie. Hein? Ah oui, profitez là. Pasteur Roger, tu surveilles ma femme. Hein? Mais la Bible nous dit, mes frères et mes sœurs, c'est ça ce que les femmes devraient faire? Car le mari est le chef de sa femme comme le Christ est le chef de l'Église. Mais ça n'arrête pas là. Un mari, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église. Jusqu'à donner sa vie pour elle. Remarquons bien la Bible nous dit aimez vos femmes, non les femmes. Beaucoup des maris aiment les femmes. Si vous faites cela, vous êtes malade. Vous avez besoin de Christ dans votre vie. Donc il y a un appel pour que l'homme aime son épouse. Remarquons bien qu'il y a quelque chose de sacré dans l'union du mariage. Car la Bible nous dit, mariez aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église. En d'autres mots, l'amour qui existe entre mari et femme devrait refléter cette union qui existe dans la Trinité. Car l'intention de Dieu, c'est que ça reflète l'amour que Christ a pour ses enfants, son Église. Verset 28, les maris doivent donc aimer leur femme comme ils aiment leur propre corps.
Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne trouve plus cet amour qui dure à la fin. Oh, mais bien-aimés, l'intention de Dieu était que notre foyer reflète un petit coin du ciel. Où l'amour se développe entre père et mère. Et une telle atmosphère créerait la sécurité et la stabilité pour nos enfants. Car c'est dans l'amour que nos enfants seront épanouis comme des roses dans le jardin. Car quand il y a de la joie dans la famille, les enfants sont fortifiés. Lorsqu'il y a la compréhension à la maison, nos enfants apprennent comment vivre en harmonie dans la société. Laisse-moi vous dire, chers parents, surtout chers pères, vos enfants vont définir l'amour de Dieu. L'amour du Père qui est dans les cieux à travers l'amour que vous avez pour vos enfants. Si vous êtes un Père qui est dur, vos enfants vont interpréter Dieu comme un Dieu qui est dur. Le plus que vous montrez l'amour et la paix, la joie, la sérénité à vos enfants, c'est comme ça que vos enfants vont définir le Père qui est dans les cieux. Si vous êtes affectueux, pour eux, Dieu est un Dieu qui est affectueux. Oh, quand il y a l'unité dans la famille, les enfants grandissent en bonne santé. Quand les parents s'aiment, ils enseignent à leurs enfants à vivre et à s'aimer les uns les autres. Car le foyer devrait être ce petit nid. Où un enfant doit être correctement éduqué, formé, modélé. Vous savez pourquoi? Pour ce monde et pour ce monde à venir. Le foyer devrait être l'endroit où les parents enseignent leurs enfants à grandir en Jésus. Beaucoup de nos enfants grandissent dans l'église, mais ne grandissent pas en Jésus. Est-ce que vous me suivez? Ils vont à l'église, ils font des petits trucs à l'église, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Oh, nous sommes appelés à enseigner nos enfants à connaître le vrai Dieu à travers sa parole, à donner des bons exemples à nos enfants. Malheureusement, très souvent, ce n'est pas le cas. Je vous dis encore une fois ce matin, le foyer devrait être un lieu où le caractère et le comportement sont développés et prospèrent. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Beaucoup de nos foyers sont brisés. Beaucoup de parents sont en train de donner des mauvais exemples à leurs enfants. Ils passent leur temps dans la télé, dans leur sport, sur l'internet, avec leurs amis en buvant, dans l'alcool, dans la cigarette, dans la drogue. Laisse-moi vous dire ce matin, Dieu va vous appeler en jugement, parce que Dieu nous a donné ses enfants comme des perles précieuses, afin qu'on puisse les aider à grandir et à vivre cette vie que la Bible nous enseigne. Mais trop beaucoup d'entre nous nous sommes occupés à faire des choses inutiles. Oh, mes bien-aimés,
Qu'en est-il de votre maison aujourd'hui? De votre foyer? Est-ce que vous êtes en train d'enseigner vos enfants à prier? À lire la parole de Dieu? À aimer leur Dieu? Ou bien vous êtes en train d'aider vos enfants à jouer les jeux vidéo? Et tous ces trucs qui endommagent le cerveau? Est-ce que vous êtes en train de montrer l'amour à votre épouse? Est-ce que vos enfants sentent que papa aime maman? Est-ce que vos enfants sentent que maman a du respect pour papa? Il y a un article où un médecin disait: beaucoup de femmes se rendent à la clinique chaque semaine alors qu'en réalité, ce dont elles ont vraiment besoin, c'est de l'amour de leur époux. Nos hôpitaux, nos psychiatres sont remplis des femmes qui sont malades, non pas parce qu'elles sont malades psychologiquement, simplement comme ça, mais parce qu'ils ne reçoivent pas l'amour de leur mari. Marie, réveillons-nous. Dieu vous a placé au sein du foyer afin de chérir votre femme, de les aimer. Malgré qu'ils ont des cheveux blancs aujourd'hui, malgré qu'ils ont des rides sous leurs yeux, c'est votre chérie, ça. Malgré qu'ils ont perdu la beauté de leur corps à travers l'enceintement, c'est ça que Dieu vous a donné, c'est la personne que Dieu vous a donnée. Bien sûr, il y a des hommes qui sont malades. Mais il y a aussi des femmes aussi qui sont malades. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il y a des femmes qui fatiguent leur mari. Bien sûr, vous n'êtes pas là ce matin. Vous n'êtes pas là, vous. Non. Il y a littéralement, pasteur Roger, il y avait un homme en Amérique, il est allé à la police. Littéralement, il a demandé à la police de le fermer dans le cachot afin qu'il puisse avoir une nuit de repos loin de sa femme. Il y a des femmes aussi qui sont fatiguées. Écoute ce que Salomon a dit. Chère femme, écoute bien ça. Mieux vaut vivre au coin de toi que partager sa maison avec une femme querelleuse. Très souvent, il y a le problème à la maison. Parce qu'il y a des madames qui sont comme ça. Ferme la bouche! Donne cet homme une paix pour... Une femme querelleuse est comme une gouttière qui coule sans cesse par un jour de pluie. Chère dame, réveillez-vous. Contrôlez votre tcha-tcha-tcha. Donc la question que je vous pose ce matin, c'est ceci. Quel est le problème? Quels sont les problèmes dans nos foyers? Pourquoi tant de bouleversements dans nos foyers? Ne rate pas cela. Ceux qui sont en haut, ne rate pas cela. Pourquoi tant de bouleversements? Je vous dis ce matin, deux choses sont arrivées à nos foyers. Premièrement, celui qui a institué le mariage et la relation n'est plus dans nos foyers. Le Christ est à l'extérieur de nos maisons. Même au sein de milliers de foyers chrétiens. Celui qui a institué le mariage a été mis à la porte. Dieu est absent. Nous avons pris Dieu et nous l'avons enfermé dans une boîte. Nous avons cloué la boîte.
Nous avons balancé la boîte dehors. On a dit à Dieu, on n'a pas besoin de toi. On sait ce qu'on est en train de faire. Oh, mes bien-aimés, les foyers souffrent cet après-midi. Parce que Jésus n'est plus dans les cœurs des mamans et des papas. Il n'est plus dans les cœurs de nos enfants. Il y a plusieurs familles chrétiennes n'ont même pas la parole de Dieu ouverte aux enfants. Plusieurs familles chrétiennes n'ont pas la parole de Dieu comme leur autorité. En conséquence, beaucoup de chrétiens sont en train de porter des masques en public. Mais elles ont une vie privée à la maison. Et le plus triste, c'est que leurs enfants observent. Ils voient l'hypocrisie à la maison. Le week-end, vous allez à l'église. Vous faites des bonnes œuvres. Vous apportez votre dîme et vos offrandes. Et vous voulez que les gens voient que vous apportez vos dîmes et vos offrandes. Et il y a ceux qui enseignent dans ces églises. Il y a ceux qui crient Amen et Amen. Il y a ceux qui chantent plus fort que tout le monde à l'église. Et c'est le cyclone à la maison. Hein? C'est le tsunami à la maison. On chante bien, on est bien à la maison. Mais c'est pas bien du tout à la maison. Hypocrite. L'hypocrisie. Vos enfants vous regardent. Ils regardent les films que vous êtes en train de regarder. Et ils grandissent. Ils voient tous ces cinémas que vous êtes en train de faire. Et finalement, à l'âge approprié, ils quittent l'église. Ils n'ont rien à faire avec Dieu. Et vous venez au pasteur. Vous venez au prêtre. Prie pour moi. Mon enfant est parti. Ton enfant est parti à cause de toi. De ce que toi tu as fait. De tes mauvais exemples. C'est pour cela, chers parents, réveillons-nous. Réveillons-nous. La raison que nos familles sont brisées, c'est parce que Christ n'est plus dans le foyer. Et maintenant, écoute bien. Car la triste vérité, c'est ceci. Quand Jésus se trouve à l'extérieur de la maison, quand le Christ se trouve à l'extérieur de notre cœur, quelqu'un d'autre est à l'intérieur. Est-ce que vous me suivez ce soir? Le diable a remplacé le Christ dans nos foyers. À travers les films qu'on regarde, à travers les musiques qu'on écoute, à travers les sports qu'on apprécie, à travers l'Internet, Satan n'a pas simplement, c'est pas simplement installé dans nos maisons, mais dans les cœurs des parents et des enfants. Mes bien-aimés, c'est Satan qui est en train de déchirer ces milliers de foyers. C'est lui qui est en train de causer la division entre parents et enfants, entre mari et femme. C'est lui qui est l'auteur de tous ces cas de divorce qu'on trouve autour de nous aujourd'hui. Car Satan est un diviseur. Il sépare les choses comme il l'a fait dans le ciel. Séparer un tiers des anges de Dieu. Et aujourd'hui, il atterrit dans les foyers. C'est pour cela qu'on va dans les foyers. On voit des parents qui couchent un dans une chambre, l'autre dans l'autre chambre. Ils séparent les foyers. Car il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas se divorcer. Ils se sentent mal devant l'église ou bien devant la société.
société. Donc ils font leur cinéma à la maison. Le mari dort dans une chambre, la femme dort dans une autre chambre. Et s'ils dorment dans la même chambre, les lits sont séparés. Satan divise tout. Les comptes bancaires sont séparés. Les églises sont séparées. Un va dans une église, l'autre va dans l'autre église. Dans un endroit en Amérique, un homme était frustré de sa femme. Vous savez, en Amérique, on a des maisons comme ça, hein, qu'on déplace là. Hein. Un homme était frustré de sa femme. Littéralement, il a pris ce truc qu'on appelle, comment on appelle ça? Ouais. Il a fendu la maison en deux. Il a dit, toi tu dors, là moi je dors ici. Satan est l'invité spécial de milliers de maisons. Il est dans la maison. Il est dans notre ordinateur. Il est dans notre télé. Il est sur notre iPhone. Il s'est infiltré partout. Et nous ne réalisons même pas. Oh mais bien aimé, c'est le diable qui est en train de casser tous ces foyers. Et nous on ne réalise pas. Et on se bat mari et femme. On se divorce. On va mener l'autre à la cour, comme on dit ça, à la justice. Quand en réalité, c'est le diable qui est derrière tout ça. Il est en train de faire ce qu'il a fait, comme je vous ai dit, dans le ciel. Il est en train de séparer les couples. Et pourtant, quand nous regardons dans le jardin d'Éden, ce n'était pas le cas. Jusqu'à ce que le péché est entré. Laisse-moi vous partager certains secrets. Je vous présente le premier secret. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'un mariage marche? Remarque combien la Bible nous enseigne que Dieu va donner à Adam Ève. Non pas Serge. Il y a Serge. Est-ce que vous me suivez? Pour que le foyer marche, il faut que ça soit un homme et une femme. Non pas homme et femme et femme. Nous lisons par exemple dans Genèse 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront un seul chair. Deux hommes ne peuvent pas devenir un seul chair. Deux femmes ne peuvent pas le faire. Et on voit ça dans la reproduction entre un sperme et un, comment on dit ça en français? Ovum. Ovule? Oui. Ces deux deviennent un. Deux hommes ne peuvent pas faire cela. Deux femmes non plus ne peuvent pas faire cela. C'est pour cela que je vous dis, mes frères et mes sœurs, amis invités, selon la parole de Dieu, il n'y a pas ce qu'on appelle l'homosexualité. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Genèse 5, le verset 2. Dieu créa, les créa hommes et femmes, il les bénit. Dieu a béni qui? Hommes et femmes. Et aujourd'hui dans les églises on est en train de bénir homme et homme. Ça ne va jamais marcher. C'est une abomination. Il faut que vous retourniez dans la parole de Dieu et obéissiez à la parole de Dieu et vous aurez la paix, la joie et la sérénité à la maison. Oh mes amis, le mariage est une institution consacrée par Dieu lui-même. Comment est-ce que tu peux bénir quelque chose que Dieu n'a pas béni? C'est pour cela, vous savez qui bénit ces choses pareilles. C'est le faux Dieu qui bénit. C'est Satan.
Le mariage est une institution, je dis encore, sacrée. Rendu sacré par Dieu lui-même. Car Dieu a créé deux sexes différents. Mâle, femelle. Homme, femme. Et cela a été institué en Éden au commencement du temps. Dieu a donné à chacun un organe reproducteur. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Voilà, c'est là. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Qu'est-ce que c'est que fécond? C'est d'avoir des enfants. Deux mâles ne peuvent pas avoir d'enfants. Deux femmes ne peuvent pas le faire. Le plan de Dieu est divin. Le plan de Dieu est là pour nous élever dans la justice. Malheureusement, est-ce que vous écoutez vous qui êtes ici? Est-ce que vous écoutez vous qui êtes là-bas? Malheureusement, je dis, Satan a créé une contrefaçon du plan du mariage divin afin de nous dévier du plan original de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui l'homosexualité, c'est Satan qui est l'auteur de l'homosexualité. C'est lui qui a créé cette contrefaçon. Car Dieu, dans son amour, il a créé le sexe. Bien sûr, pour le plaisir. Et aussi bien pour la reproduction. Tandis que Satan, il a créé le sexe. Contrefaçon du sexe. Que pour le plaisir. Et c'est un faux plaisir. L'homosexualité, c'est un faux plaisir. C'est pour cela la Bible nous dit cela. Satan, le dieu du siècle, a aveuglé les pensées. Les gens sont en train de pratiquer des choses en pensant qu'ils sont dans la joie, qu'ils sont heureux. En réalité, ils sont malheureux. Parce qu'ils sont hors du parapluie de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous dis ce matin, mes frères et mes sœurs, dans ce grand conflit entre le bien et le mal, entre le Christ et Satan, l'ennemi, le diable, a aveuglé des milliers de personnes sur terre. Il est en train de présenter à l'homme, à l'être humain, des autres options de ce que la Bible nous enseigne. Et ces autres options, c'est ça ce que la Bible nous dit, c'est des contrefaçons. Et c'est pour cela aujourd'hui, je veux qu'on lit la Bible, car c'est la parole de Dieu qui démasque les ruses du diable. Car la nature elle-même témoigne que l'homosexualité n'est pas dans le plan de Dieu. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? D'ailleurs, l'homosexualité, c'est un signe des temps. Car nous sommes en train de vivre dans un monde très différent aujourd'hui. Vous savez très bien où la société est en train de promouvoir l'homosexualité. Quelques années de cela, si tu étais un homosexuel, il faut rester tranquille. Mais aujourd'hui, les sociétés sont en train de défendre l'homosexualité. Même beaucoup des églises chrétiennes, même beaucoup des dirigeants chrétiens aujourd'hui, chrétiennes, sont des homosexuels. Écoute ce que la Bible nous dit. Ce qui va se passer dans les derniers temps. Suis bien. La Bible nous dit, ce sera comme du temps de Lot.
Il se passera la même chose le jour où le Fils de l'homme doit apparaître. Que se passait-il du temps de Lot? Où se trouvait Lot? Où habitait Lot? En Sodome et Gomorrhe. Donc, quel était le péché du Sodome et Gomorrhe? Vous vous rappelez? La Bible nous dit, Jude 1, le verset 7, les habitants de Sodome et de Gomorrhe et les villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche. Et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel. Elles aussi et servent ainsi d'exemple. Donc les habitants de Sodome et Gomorrhe recherchaient des relations sexuelles contre nature. De quoi s'agit-il cette relation sexuelle contre nature? Lisons dans Romains chapitre 1, le verset 26. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Quelles sont ces pratiques-là? On continue. Les hommes d'eux-mêmes, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux. C'est pour cela aujourd'hui on voit dans notre monde, je ne sais pas ici à Tahiti, où les gays, les homosexuels, ils ont leurs droits maintenant. La société leur défend. Les églises leur soutiennent. Il y a les pasteurs, les prêtres gays. Le média, le Hollywood sont en train de promouvoir l'homosexualité à travers des films aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre dans les derniers temps. Nous sommes en train de vivre dans les derniers temps. J'aimerais clarifier quelque chose présentement. Dieu, attention. Dieu aime les homosexuels. Faut comprendre cela. Mais il haït l'homosexualité. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu aime les pécheurs. Mais Dieu ne tolère pas l'homosexualité qui est l'action. C'est pour cela s'il y a des homosexuels parmi nous ce matin. Dieu vous aime. Dieu aime les adultères, les voleurs, les menteurs, mais Dieu haït le péché. Dieu haït l'adultère, l'homosexualité, la pornographie, la fornication. Dieu haït ces choses. C'est pour cela ce matin, si vous êtes une de ces personnes, non pas seulement que Dieu vous aime, mais moi, si je vous aime, viens me voir, on va parler là-dessus. Le point, c'est ceci. Parce que Dieu haït l'action d'homosexualité. Nous sommes appelés à renoncer à cette contrefaçon de l'intimité. Si tu es un homosexuel ce matin, Jésus t'appelle à renoncer ce vice. Ça vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. C'est une contrefaçon. Et tu me dis, pasteur, mais je sens bien, il y a l'amour dedans. Le diable t'a rendu aveugle. C'est une fausse amour. Ce n'est pas l'amour
de Dieu, c'est pas la vraie amour, la véritable amour. C'est ça ce qu'on appelle l'amour charnel. La convoitise de la chair. C'est ça ce qu'on appelle le péché. Ce sont ces désirs contraires à la volonté de Dieu. Il faut renoncer cela. C'est un mensonge que Satan a placé dans ta tête. Pour te faire croire que tu es bien dans la peau en faisant cela. Il faut lâcher cela ce matin. Si tu es un homosexuel, oh mes bien-aimés, Paul nous dit dans Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Quels sont ces actes injustes? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les fornicateurs. Qu'est-ce que c'est que la fornication? C'est de vivre une vie dans le concubinage. C'est d'avoir des relations sexuelles hors du mariage. Les fornicateurs ne seront pas au ciel. Les idolâtres, les adultères, les perverses, ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Oh, mes bien-aimés, l'amour et la joie qui clament les homosexuels est une tromperie. C'est un mensonge que Satan a planté dans le cerveau. Ce n'est pas l'amour de Dieu, mais c'est la convoitise de la chair. Si vous avez ce problème ce matin, vous devrez vous opposer à ce mensonge par la parole de Dieu. Vous devrez confronter tous ces mensonges du concubinage et de toutes ces choses qui sont mal. Confrontez cela par les Saintes Écritures. Vous devrez croire dans la parole de Dieu. Et vous devrez rejeter ces mensonges que l'ennemi a placés dans votre vie. Si vous êtes né un gay, un homosexuel, il faut naître de nouveau. Et Jésus va vous guérir de votre bobo. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est la nouvelle naissance que vous avez besoin. Cesse de chercher des excuses. Renoncez au mal. Repentez-vous. Prenez Jésus dans votre cœur. Soyez sauvés de ce monde pervers. Donc premièrement, il faut que l'homme soit avec la femme. Deuxièmement, veuillez noter, à la création, Dieu a donné à Adam combien de femmes? Combien? Une seule Ève. En d'autres mots, nous ne pouvons pas être amoureux de plusieurs partenaires. La polygamie ne se trouve pas dans la Bible. Et pour ceux des hommes qui ont des petites affaires dans le secret, car l'adultère est aussi un péché grave dans la Bible. Malheureusement, cela se fait aussi dans le christianisme à grande échelle. Même au sein de l'Église, on voit beaucoup des cas d'adultère aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit dans l'adultère parmi nous? Peut-être votre femme ne sait pas, ou votre mari ne sait pas, ou l'Église ne sait pas. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit et crois dans ce que la parole de Dieu nous dit. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne.
S'il la touche, il ne saurait rester impuni. La Bible continue. Celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonnête. Sa honte ne s'effacera jamais. Nous, on pense que lorsqu'on a cette jeune femme qui est plus jeune que notre femme, on est en train de célébrer. On est en train de célébrer la mort. On est en train de célébrer des déshonneurs. La honte. Nos enfants vont suivre nos pas. La famille va être déchirée. C'est pour cela, je vous en prie. Au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui vit dans l'adultère, cours après Jésus ce matin, confessez vos péchés, sors de cela. Malheureusement, trop souvent, et j'ai vu cela pour moi-même, Satan donne des excuses à ces gens adultères. Même au sein de l'église, il trouve tous ses excuses. Et puis il casse la figure plus tard. Il casse la famille. Est-ce que vous savez que vous devrez en rendre compte au jour du jugement de ce que tu as fait à la femme de ton prochain, au mari de ton prochain, de ce que tu as fait à cette personne que tu es avec, de ce que tu as fait à toi-même, de ce que tu as fait aux enfants de tous les deux familles? Vous aurez à rendre compte de ce que vous avez fait à l'église de Dieu, à la société, de donner des mauvais exemples en tant que chrétien. Répentons-nous. Troisième, le mariage avant le sexe. Oh, Jean-Noël, où est-ce que tu as trouvé cela? L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. En fait, Dieu n'était pas seulement impliqué dans cette union. Dieu était centre de cette union. Dieu va leur bénir avant. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Donc le sexe est un don offert à ceux qui s'engagent. À ceux qui s'aiment vraiment. Le sexe n'a pas été fait afin de calmer notre drive, sex drive. Le sexe n'a pas été donné afin de, satisfaire la personne personnellement. Le sexe est le point culminant. Donner à ceux qui s'aiment. Comment est-ce qu'on sait qu'on s'aime? En faisant l'amour? Non, c'est pas vrai ça. L'homme qui aime la femme, c'est l'homme qui s'engage à l'aimer pour toujours. Amen. L'homme qui aime la femme, c'est l'homme qui veut se marier avec la femme. C'est ça, l'engagement. Se donner. L'amour, c'est un verbe. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Si vous aimez cette femme, ce n'est pas le sexe que cette femme a besoin. Il faut se donner à cette femme afin de l'aimer, de la servir, de la caresser lorsqu'elle est malade. Lorsqu'elle est malade, d'être avec elle. L'amour, c'est un verbe. Et Dieu dit, maintenant, je te donne un cadeau. Pour exprimer cet amour,
Dans le contexte du mariage, je te donne le don du sexe. Quel Dieu extraordinaire. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont en train de pratiquer le sexe sans... cet engagement hors du mariage. Bien sûr, beaucoup font cela dans l'ignorance. Il y a des hommes qui aiment leur femme, leur copine, mais ils ne réalisent pas l'importance de se marier. Mais pour un vrai disciple, le mariage, ce n'est pas une option. Si tu aimes la personne, tu ne touches pas la personne, tu l'épouses. Tu t'engages à se donner entièrement à la personne. C'est pour cela que ceux qui s'aiment vont consacrer leur vie l'un à l'autre par le mariage. En d'autres mots, jeune fille, votre petit ami qui vous dit qu'il vous aime mais qu'il ne veut pas vous marier, la personne n'a pas encore compris le sens de l'amour. Peut-être par l'ignorance. Ou bien peut-être parce qu'il a quelque chose d'autre en tête. Car l'amour est un engagement. C'est ça ce que la Bible appelle la fornication. Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point part dans l'héritage de ce royaume pour les fornicateurs. Je me rappelle, lorsque j'étais à Vanuatu, je vous ai dit ça hier soir. À la fin de ces 3 semaines de campagne, 3 000 plus personnes étaient baptisées. Et parmi ces 3 000 qui étaient baptisées, il y avait 200 et quelques 39 couples qui étaient mariés. Ils vivaient dans le concubinage. Mais lorsqu'ils ont compris la vérité, l'Église les a mariés 400 et quelques plus. Et après cela, on les a baptisés. Est-ce que nous pouvons dire amen? Il faut régler votre situation ce matin. Car si vous n'êtes pas mariés, le diable est là dans le foyer. Vous aurez des problèmes financiers, des malédictions de la santé. Vos enfants seront des rebelles. Oh, mes bien-aimés, nous devrons retourner à la parole de Dieu. Quatrième. Genèse 2, le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Dieu va prendre une partie de l'homme, non pas de ses pieds, afin que l'homme piétine la femme. Dieu ne va pas prendre partie de la tête de l'homme, afin que la femme domine sur l'homme. Dieu va prendre ici ex aequo, égalité. Amen. Égalité. Bien sûr, les côtes aussi, il y a une connexion entre les côtes et le cœur qui protège le cœur et le poumon. Donc, Marie, vous êtes appelée à protéger votre femme. Protéger l'amour entre vous deux. Troisièmement, les côtes près du cœur. Aimez votre épouse. Aimez les uns les autres. Cinquième, ne rate pas celui-là. On arrive bientôt à la fin. Regarde celui-là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous avez entendu ce que la Bible a dit. Pour ceux qui veulent se marier, il faut quitter la maison de maman et papa. Là, c'est un problème, là.
Parce que la coutume du pays peut-être nous dit que on peut rester ensemble. Hier, on a vu cela. Beaucoup de gens, au lieu de suivre la Bible, ils suivent les coutumes et les traditions. La Bible nous dit, il faut sortir. Il faut couper le pont. Pourquoi? Est-ce que les mamans vous écoutez là? Est-ce que les belles-mères vous écoutez? Est-ce que les beaux-pères vous écoutent? Parce que c'est important, parce que les belles-mères, très souvent, ils veulent tenir la télécommande. Hein? Veulent contrôler tout à la maison. Veulent contrôler la belle-fille. Lorsque la belle-fille est en train de préparer un petit curry pour le mari, la belle-mère dit, ah, mon fils ne mange pas le curry, c'est trop fort. Hein? Contrôle tout. Arrête de rire, les belles-mères. Très souvent, il y a des cas de divorce à cause de ça. Les beaux-parents veulent contrôler. C'est pour cela qu'il faut avoir un détachement physique. Marie va chercher un endroit, une maison. Le problème, quelquefois, c'est avec la fille. Elle veut être dans la jupon de la mère. Et vous avez marié le mari ou bien la mère? Il faut se détacher. Il faut qu'il y ait une coupure émotionnelle aussi. Vous pouvez aller visiter les parents une fois par semaine, une fois par mois. Préparer un bon petit repas. Mais que les parents ne se mêlent pas dans les affaires de leurs enfants. C'est pas votre droit. Ils sont un cher nouveau. Laissez Dieu agir en eux. Ils vont faire des fautes. Ne viens pas avec un bâton de baseball pour casser la tête. Il faut qu'on respecte cela. Amen. Oui, j'avais ce problème avant avec ma belle-mère. Ah oui? Elle m'écoute là. Ah, il y a la télé qui m'écoute là, parce que ça va partir aux Seychelles là. Ah, mais j'ai ramassé, c'est pour cela que je parle fort cet après-midi là. Ah ouais. J'ai eu des problèmes. Je dois faire attention parce que je vais dormir ce soir dehors là. Avec ma ouais. Mais j'ai ramassé avec ma belle-mère. On s'est sauvé un petit peu partout, mais elle nous suit partout. Pitié, Seigneur! Mais laisse-moi vous dire une vérité. Dieu est témoin. C'est mon meilleur ami aujourd'hui. Elle m'aime énormément. La tentation, c'est que lorsqu'elles font ça avec nous, c'est qu'on casse aussi là. Notion, hein? La tentation, l'être humain, on veut se venger. Mais un chrétien, un disciple, se venge pas. Un disciple, il vainc le mal en faisant le bien. Amen. Finalement, je l'ai invité même à la Nouvelle-Calédonie. Elle est venue. C'est là que vraiment on est devenus ensemble comme ça. C'est pour cela qu'il faut faire attention de ne pas dire du mal à moi. Lorsque ma belle-mère est là, vous allez ramasser, je vous assure. Car elle est le coup, hein, n'oublie pas. Hein. C'est une femme formidable. Ça va, chérie, je peux dormir. Oh, yeah. Good. Il faut qu'on termine. Divorce, sixième. Le divorce, ce n'est pas une option dans la Bible. Est-ce que vous avez entendu ça? Sauf du cas de l'infidélité. Sauf si le partenaire vous a trompé, si votre mari vous a trompé ou bien votre femme, là, on peut avoir le divorce. C'est ça ce que la Bible nous dit. Pourquoi?
Parce que le mariage, c'est une réflexion de la Trinité, de Dieu lui-même et son amour pour ses enfants. Jésus dit ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. C'est collé ensemble, cela. Et c'est Dieu qui vous a collé ensemble. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. À moins que je répète encore, si le mari ou la femme est sorti avec un autre, il a brisé cette union, elle a brisé cette union. Écoute ce que la Bible nous dit, car je hais le divorce, dit l'Éternel. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. S'il y a quelqu'un qui est en train de contempler le divorce, viens me voir ou bien viens voir les pasteurs. Et on va vous donner des conseils. C'est pas dans le plan de Dieu qu'on soit divorcé. Il faut qu'on suive la parole de Dieu. Le moment où vous allez divorcer et vous allez épouser une autre, la tentation de se divorcer s'augmente plus encore. C'est pour cela que les gens qui sont divorcés remarquent bien, 3 ou 4 fois ils se sont mariés. C'est une vis qui n'est pas de la Bible, ça. Bien sûr, il y a ceux qui ont souffert parce que le mari a été un adultère ou bien un alcoolique. Si ton mari est un alcoolique, ne divorce pas. Séparez-vous de ce mari. Parce qu'il peut vous tuer ou bien il peut faire quelque chose Séparez-vous tranquillement, priez pour votre mari. Quelquefois, Dieu peut changer son cœur. Quelquefois, il y a quelque chose qui se passe. Et il se disqualifie d'être votre mari. Soit à travers l'adultère ou quelque chose d'autre. Suivons la parole de Dieu. Dernier secret. Suis bien la jeunesse. Suis bien les jeunes. Il y a ceux qui sont venus me parler hier soir. En rapport de leurs copains-copines. Qui était la première personne que Adam a vu lorsque Dieu l'avait créé? Vas-y. Ce n'est pas Ève, parce que Ève n'était pas encore créée. C'était qui? Dieu! C'était son créateur. Amen. Qui était la première personne que Ève a vue lorsque Dieu l'avait créée? Adam. Adam était sur une morphine 4 roues en l'air. Oui, Dieu l'avait endormi. Oui. La première personne que Ève a vue, c'était son Dieu. Son créateur. Cher jeune. Pour ceux qui contemplent le mariage, il faut que vous tous les deux, vous connaissez votre Dieu. Il faut que vous ayez une relation avec ce Dieu. Il faut que Jésus soit dans les cœurs de ce jeune garçon et de ce jeune fille. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que si un suit Dieu, l'autre ne suit pas Dieu. Catastrophe à la maison. Après. C'est la Bible qui dit ça. C'est pour cela la semaine prochaine, à 2h de l'après-midi, la semaine prochaine, samedi prochain, 2h de l'après-midi, je vais traiter cela. Que toutes les jeunes soient là. Comment chercher quelqu'un? Que toutes les familles soient là parce que ça va être bon pour vous aussi. Il faut absolument que ces deux connaissent leur Dieu pour que le mariage fonctionne à la maison. Il faut que tous les deux soient amoureux de Dieu. Il faut que tous les deux aime Jésus et sa parole. Parce que lorsque un va vouloir aller à l'église,
L'autre va vouloir regarder son match de foot. Lorsque un va vouloir aller partager l'évangile, l'autre va vouloir aller boire et picoler avec son ami. Il y aura la tension tout le temps. Maintenant, vous êtes en train de me dire, pasteur, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est déjà trop tard. On a fait le mauvais choix. Mais n'oublie pas, la personne, votre mari par exemple, s'il ne connaît pas Dieu, n'oublie pas que c'est un homme que Dieu aime. Dieu veut sauver cet homme. Peut-être il est dans l'ignorance, mais Jésus l'aime. Il faut être patient, il faut trouver du temps à passer avec lui aussi. Il ne faut pas seulement aller à l'église et dormir dans l'église et laisser la famille derrière. Il faut être bien équilibré. Patienter. Donc mes chers jeunes, mes chers invités, il faut chercher quelqu'un qui connaisse votre Dieu. Chers jeunes, lis ça ensemble avec moi. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Mesdames et demoiselles, un véritable homme approprié pour votre vie, ce n'est pas simplement quelqu'un qui ouvre seulement la porte, c'est quelqu'un qui ouvre sa Bible. Cherche une personne qui aime la parole de Dieu. Cherche une personne qui va prier avec vous lorsque vous vous réveillez tôt le matin. Cherche une personne qui va amener votre famille et les enfants autour de la parole de Dieu. Un mari ou une femme qui va se préparer, lui et sa famille, à la rencontre de Jésus. Car si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. On a besoin de Jésus cet après-midi. Seulement Jésus qui peut faire partir le diable loin de nous. Seulement Jésus qui peut restaurer l'amour au sein du foyer. Car Dieu est amour. Amen. Tournez vers la personne à côté de vous. Dis la personne, on a besoin de Jésus à la maison. Dis à la personne. Est-ce que c'est votre désir de dire à Jésus de revenir à la maison? Je ne sais pas, je termine avec cette histoire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu ce film Roots. Vous avez vu ce film? C'est un des meilleurs films, c'est joli ce film. Les jolis films sont les films anciens, vous savez ça, hein, les jolis films. Je regarde les films, les vieux films, non pas parce que je suis vieux. Hein. Il y avait cet homme qui était esclave, c'était dans le temps des esclavages en Amérique. Et voilà, les gens, les Noirs, étaient vraiment esclaves, ne pouvaient rien faire. Et l'homme était marié avec sa femme, ils avaient des enfants. Un beau jour, l'homme dit, je vais se sauver afin d'aller chercher un endroit qui est meilleur pour nous et la famille. Bien sûr, lorsqu'il s'est sauvé, on le cherchait pour le tuer. C'était tellement grave. Il ne pouvait plus retourner à la maison. Et pendant plusieurs années, il ne pouvait plus retourner à la maison. Car on allait le tuer. Il souffrait, il voulait sa famille. Il aimait encore sa femme. Il aimait ses enfants. Il pleurait tous les jours. Je, Seigneur, aide-moi à retrouver ma famille. Un jour, il a eu la chance, après plusieurs années, de retourner à la maison. C'était dans le noir, le soleil était déjà couché. Et voilà, il voyait son épouse dans le noir. Il ne pouvait pas bien voir. Courait dans les bras de son épouse. Tous les deux se sautaient dans les bras. Pleurait.
Chérie, tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Les enfants étaient là. Se réjouissaient dans le noir et ne voyaient rien. L'histoire nous dit que finalement, l'homme et la femme sont rentrés dans la chambre pour s'exprimer. Et ils ont fait l'amour ensemble. Et lorsqu'ils étaient en train de s'exprimer, la femme disait à son mari, « Chérie, je suis tellement dans la joie que tu ne me vois pas. Car je ne suis plus cette belle femme que j'étais auparavant. Comme... Je suis vieille maintenant. Mes cheveux sont blancs. J'ai des rides partout. Attrape ma main, tu vas sentir cela. » Et le mari a mis la main sur la bouche de sa femme. Le mari a dit, « Tais-toi, ma chérie, car je ne te regarde pas avec mes yeux physiques, mais je te vois avec mon cœur. Je t'aime pour toujours. Tu es ma petite chérie que tu étais depuis auparavant. Mes bien-aimés, c'est ça l'amour. Le mariage, la cérémonie du mariage dure un jour. Mais le mariage que Dieu a institué dans le jardin d'Éden, ça dure jusqu'à la mort. La question se pose. Cette main que tu attrapes le jour du mariage, est-ce que tu vas attraper cette main dans 50 ans? Est-ce que tu vas caresser encore ces mains-là? Que Dieu vienne à notre secours ce matin. Que nous puissions connaître le vrai Dieu. Que nous puissions l'inviter à la maison. Chers parents, si vos enfants ont quitté la maison, ce n'est pas trop tard. Tournons nos regards vers Jésus. Plaidons pour que Dieu touche nos enfants et leur faire revenir à la maison. Si votre mari n'est plus à la maison, ce n'est pas trop tard. Si votre mari est à la maison, mais il n'y a plus d'amour, tournez vos regards vers Jésus, car Jésus est amour. Il peut changer tout. Est-ce que c'est votre désir de tourner vers lui, de plaider vos causes vers lui? Si c'est le cas, mettez-vous debout et nous allons prier pour vous. J'invite Pasteur Levert de venir devant et Pasteur Patrice de venir devant. Et nous allons prier ensemble. Afin que Dieu fasse un miracle. Afin que Dieu restaure notre vie.